Comment vivre l'éveil maintenant? Bonjour, ici Dorian Vallée, je suis auteur et créateur du site Terre Cristalline et sur cette chaîne, je vous guide pour passer d'un état de limitation à un état de plein rayonnement. Vous pouvez télécharger gratuitement mon livret Rayonner en toute simplicité, notamment en étant en lien avec les énergies cristallines. Vous pouvez télécharger gratuitement, vous avez les liens en dessous de cette vidéo. Et aujourd'hui, je viens vous parler d'éveil, mais surtout de comment. Parce qu'en fait, la question majeure que l'on me pose la plupart du temps, c'est « Ok, mais comment ?» Ok, je comprends intellectuellement, je comprends que voilà tout le processus d'éveil, d'unité, d'expansion, etc. Mais en fait, comment on fait maintenant? Parce que j'ai beau tout savoir, j'y arrive pas. Et évidemment, quand je fais ces vidéos, l'intention, c'est pas que vous éveillez, parce que je peux vous parler du miel pendant des années et des années sous toutes les formes et vous dire à quel point il est extraordinaire et tous les parfums qu'il peut développer et à quel point ça peut nourrir l'âme sur tous les plans. Mais en fait, tant que vous ne goûtez pas le miel, vous ne pouvez pas savoir ce qu'est le miel. Vous pourrez tout savoir dessus, lire des livres sur le sujet, en parler même mieux que moi, mais vous ne saurez pas ce que c'est parce que vous ne l'aurez pas goûté. Alors certains êtres, des fois, goûtent le miel et s'en tiennent là. C'est-à-dire que ça y est, ils se souviennent du goût du miel, mais ça va rester un souvenir parce que c'est pas entretenu, parce que le miel n'est pas goûté chaque jour, chaque instant. Et donc, je suis là pour vous parler du comment, comment on fait. Parce qu'en fait, l'éveil, c'est simplement un souvenir, me souvenir de ce que je suis déjà, de toute éternité. J'ai juste oublié, en fait. Parce que, pour simplifier, disons que je suis l'âme et je suis venu vivre cette expérience terrestre avec l'ego, avec l'identité séparée, avec ce corps physique, avec ses pensées, ses émotions. Mais en fait, je suis collé. Totalement collé. Et j'ai oublié ce que je suis. Je suis venu me coller. Et en fait, le processus d'éveil, c'est « Ah !» Je me détache. Et dans cet espace-là, il y a « Je respire enfin !» Parce que je retrouve ce que je suis. Et c'est déjà ce que vous êtes. C'est juste qu'à un moment donné, c'est venu se compresser dans une expérience limitée. Et c'est ok d'en faire l'expérience, parce que vous êtes aussi là pour la faire. Et donc ça demande aussi de lâcher du lest, lâcher le combat par rapport au fait de se libérer de la dualité, de l'ego, etc. Parce que vous êtes venu en faire l'expérience. Et donc, ce comment passe par à la fois prendre conscience de « Ok, je suis collé. Comment je fais pour me décoller ?» Donc, je vais voir où ça colle. C'est ça le premier processus, voir où ça colle. Donc, qu'est-ce qui construit cette identité qui fait que je suis collé ? Donc je peux, en fait c'est tout ce qui me fait exister en tant que personne. Je peux être quelqu'un de combatif, personne humble, personne qui aide les autres, personne qui blablabla. Tout ça, c'est l'identité qui se construit. Donc soit il y a des choses des fois perçues négativement socialement, d'autres qui sont extrêmement positives, donc ça va être plus difficile à les lâcher évidemment. Il y a des choses majeures dans tout le New Age, comme voilà, je crois que si je commence à ouvrir certaines capacités spirituelles ou que je communique avec certains êtres, ça veut dire que je suis éveillé, ou toute la notion de libre arbitre et le fait d'avoir le choix de faire diriger mon existence à chaque instant. En fait, tout ça, ce sont juste des obstacles. Mais en fait, ils sont tellement beaux et tellement glorifiants pour l'ego, qu'ils soient spirituels ou donc, on les garde. Mais à un moment donné, vous devrez tout quitter. Parce qu'en terre sacrée, en terre intérieure, en terre d'éternité, l'ego n'est pas admis. Il ne peut poser un orteil dans cette terre-là. Donc ce comment passe déjà par ça. Et ensuite, c'est de nourrir l'âme. Sans cesse. Sans cesse. Sans cesse. Pas faire une demi-heure de méditation et croire que ça va transformer mon existence. Ça va juste vous apporter une forme de bien-être, parce que peut-être que vous allez être plus calme, qu'il y aura moins de pensées. Mais en fait, ça ne va rien faire du tout au niveau de l'âme. Parce que 30 minutes par jour face à 23h30 où vous vous êtes perdu, vous collez,
ça pèse pas bien lourd. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'y être 100% du temps. Mais essayez déjà d'y être le plus souvent possible, de nourrir l'intérieur. Ça commence par être conscient de soi, de ce qui se passe en soi, d'être conscient des gestes, de ralentir le rythme, d'être dans cette écoute du rythme intérieur. Ensuite, de se laisser toucher par tout ce qui peut être là. Alors, si je fais cette vidéo aussi, c'est que je ne peux pas vous faire vivre ça en une vidéo. Il y a des personnes pour qui, parfois, ça touche, ça impacte et bam, ça fait une grosse prise de conscience qui fait que tout est balayé. Et c'est merveilleux s'il y a une personne sur 1000 qui est impactée par une des vidéos, c'est extraordinaire. Mais maintenant, ça va être relativement rare. Donc, c'est pour ça qu'il y a la reconnexion cristalline qui est vraiment là de l'expérimentation pure dans un espace sacré. Et ça est tellement intensifié pendant un temps court, mais qui peut provoquer des prises de conscience énormes et des décollements, que oui, ça peut d'un coup faire respirer l'âme, on va dire. Mais pour beaucoup, ça ne sera pas suffisant, même si ça peut l'être. Et pour beaucoup, ça ne sera pas suffisant parce que ça demande à ce que ça soit nourri. Donc il y a des pratiques qui sont nourries, qui sont données pour continuer ça, mais la majorité des gens vont se dire, bon voilà, je fais la reconnexion cristalline une fois et c'est bon. En fait, non, c'est pas bon. C'est absolument pas bon. Ça demande à être nourri. Déjà, quand vous avez cette bascule intérieure, c'est extraordinaire, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Donc ça, la reconnexion cristalline joue ce rôle-là de boum, faire cette bascule. Pour certaines personnes, ça va peut-être mettre 3 ans. Pour d'autres, boum, la première fois, ça suffit. Mais ensuite, ça doit être nourri. Donc, il est là, le comment. Et donc, juste cette prise de conscience récemment de l'importance des rencontres physiques, déjà. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Et donc, dans beaucoup de traditions, là, il y a l'importance d'avoir un maître qui guide. Alors, loin de moi l'idée d'être un maître. Je ne suis absolument pas un maître. Ne me mettez absolument pas sur ce piédestal-là. Mais la présence de celui qui habite cet espace va simplement ouvrir des espaces chez l'autre. Et donc, il y a cette prise de conscience que oui, c'est nécessaire de faire des rencontres physiques plus ou moins longues, peu importe. Je n'ai pas forcément la facilité à organiser ça pour l'instant, mais ça va se mettre en place. Et surtout, et ça sera certainement le plus important, je vais mettre en place on va dire une formation ou un accompagnement dédié à ça, où ça sera de la pratique 24 heures sur 24. Je pense qu'on n'a jamais vu ça ailleurs. De la pratique 24 heures sur 24. Donc après, évidemment, c'est votre responsabilité, c'est à vous de pratiquer ou non. En tout cas, l'espace sera ouvert pour ça et il y aura des pratiques données à faire en permanence. Vous n'aurez plus l'excuse de dire je suis occupé ou il faut que je m'occupe de mes enfants, il faut que j'aille travailler, il faut que blablabla. Vous n'aurez plus d'excuses parce que ça sera 24 heures sur 24 et vous pourrez le faire en même temps. Et c'est ça la magie, c'est que ça puisse vraiment venir s'imprégner dans chaque chose du quotidien. C'est là que ça va venir se déployer pleinement, nourrir et se révéler toujours plus davantage. Donc vivre l'éveil maintenant, comment le vivre? C'est à la fois, donc il y a plusieurs espaces que j'ai ouverts ici. En premier lieu, c'est prendre conscience de tout ce qui colle. Ensuite, c'est évidemment décoller. Et c'est venir nourrir. Je crois que j'ai oublié un truc au passage, mais c'est pas grave. C'est venir nourrir pleinement l'intériorité, c'est cet espace qui s'est révélé, nourrir l'âme qui commence à monter en gloire parce qu'il y a de la place pour ça et qui commence à prendre toute la place. Et donc, la pratique permanente, cette nourriture sacrée, divine pour l'être, pour l'âme, laisser le vivant s'exprimer inconditionnellement à travers soi. Voilà, grosso modo, le programme. Donc je me réjouis de continuer ces partages avec vous. Évidemment, je continuerai à faire plein de vidéos sous plein d'aspects différents pour continuer à ouvrir des espaces et peut-être que ça parlera, peut-être pas. Mais l'important, c'est la pratique avant tout. Je souhaite de vivre une magnifique journée et à très bientôt. Namasté.